Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, ah, et bienvenue dans l'ombre du nudisme, au milieu des galgales absolument sublimes de... Siritungol ? Non, on n'est pas là, on n'est pas à Kiritungol, on est à Gorgoroth. Voilà, Gorgoroth, le pays de la lave. Et aujourd'hui, nous allons résoudre l'énigme incroyable de Little Dean. Afin d'obtenir du matos de maître de lumière. Alors, elles observent... tapis, puis se déchaînent. Mais notre rempart ne cède pas face à leur rage. Notre armure, soigneusement forgée, résiste aux assauts des terribles ténèbres. Non, aux assauts des terribles ténèbres. Et puis, aux assauts des puissances des ténèbres, aussi brutaux et terribles soient-ils. Rien n'aura raison du Seigneur de Lumière. Oh! Toc toc. Elles observent tapis, puis se déchaînent. Mais notre rempart ne s'est pas rage. Notre armure soigneusement forgée résiste aux assauts des puissances des ténèbres, aussi brutaux et terribles soient-ils. Rien n'aura raison du Seigneur de Lumière. Épée du Seigneur de Lumière. Enfin, l'épée du Seigneur de Lumière, level 49, 88 d'attaque de mêlée. Putain, elle tape dur. Coup rechargé 9 après avoir exécuté le coup final de Tempête de Glace. Santé rechargée 36 dans une exécution, 50% d'implément, intégrité, vous avez autant. D'accord, c'est un 7 à rage elfique. Ok, il va falloir, ça veut dire qu'il va falloir s'en servir de la rage elfique. Et quelqu'un a fait remarquer à juste titre que je m'en servais très peu souvent. J'ai juste mis un anneau neutre qui permet de recharger mon courroux et qui permet de geler ma cible quand le courroux est plein, ce qui est quand même assez stylé. J'ai pas regardé ce que ça fait, ça gèle, courroux éliminé, d'accord. C'est vraiment un set full courroux en fait. Très bien. Bon, et ben il me manque l'anneau final, mais sinon, en tout cas, le talion, il est full prestige. Avec son matos elfique d'une qualité mais incroyable. Fais voir. Ah, attends, c'est bugué, mais... Oh là là, cette épée. Oh, cette cape complètement baisée. Ah, j'ai baisé ma cape. Bon, bah c'est pas grave. C'est les capes de Yu-Gi-Oh! Le jeu qui est bugué à l'infini. Ça ne veut absolument rien dire. Enfin bon. Du coup, on est ultra stylé, même si Celebrimbor a fait un petit peu la description du poème avec le micro de sa webcam. C'est un peu bugué, c'est pas très grave. Et on a absolument plus rien d'autre à faire que sinon d'aller enfin... à Minas Morgul afin de faire les quêtes bien sûr qui y sont destinées. Non attendez, il restait un truc. Ah là je suis en train de vous dégoûter, vous êtes là. Non Bob, vas-y, s'il te plaît, vas-y. Non, il restait un truc à faire et je me souviens plus de ce que c'était. C'était ça, le sournois, ancien chef de guerre. Allons-y. Hop. Pam 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 pam. Le courroux c'est balèze avec les ultis du point de feu. Ah. Il faudrait peut-être que je fasse ça. En même temps, j'aime bien la glace aussi. Mais la glace fait moins de dégâts. La glace gèle juste les adversaires et les empêche de bouger pour que toi ensuite tu les frappes. Mais j'avoue que le feu ça peut être très stylé. Peut-être qu'il faut que j'améliore le courroux en mettant des points. Après tout, j'en ai 15. Au bout d'un moment, il faut bien dépenser ses points, chers amis. Il faut bien qu'on aille quelque part. Il faut bien qu'on avance dans cette série à la con. Il faut bien qu'on en finisse. Voilà. Voyons voir. Personnage. Drainage. Ça permet de dominer un orc. Très bien. Votre tir d'elfe est rechargé. Très bien. Votre santé est rechargée. Votre courroux est généré quand vous drainez ou dominez des ennemis. On va jouer le full courroux. Rushez votre X au moment où la lance est chargée pour générer plus de puissance à chaque ennemi touché. C'est très stylé. Rage elfique. Voilà, c'est ça. Déclenche un souffle de gel quand la rage elfique prend fin. Déclenche un souffle de flamme. Rage elfique prend fin. Au-delà de l'Orienne pour me déplacer. Appuyez sur A pour bondir au-dessous d'un roux qu'elle gelait. Non. Maintenez LT tout en bondissant par-dessus un ennemi pour prendre appui sur sa tête et effectuer un double saut extrêmement stylé. On prend ça. Je garde de fer et garde du corps qui est actif. Très bien. C'est bugué apparemment. Sans vital. Permet de soigner les partisans proches et permet d'enrager les capitaines proches. Ragez-les, non, on s'en fout. Ça, c'est tout ce qui est animaux et autres, donc on s'en fout. Triple couteau, c'est bien. Longue de choc de feu, c'est très très bien. Tempête de glace, qui permet de geler tous les ennemis devant vous ou qui permet de briser l'ennemi devant vous, ce qui est quand même très stylé.
Consumation, tu peux le comboter, ça c'est cool. Chasseur de trésors, augmente la vitesse de domination, augmente vos chances d'obtenir d'équipements de grande qualité ou des gemmes. Augmente la vitesse de domination, on est bien. Domination de l'ombre, souffle glacial, tir puissant provoque une explosion de gel et de feu. Bah écoute. Voilà, comme quoi, au moins, voilà. Concentration est consommée plus lentement dans les airs. Ah mais on peut plus se téléporter avec ça, et ça c'est très pratique. Immobilisation est utile sur les hologaïs. Fait exploser un feu de camp et attire des gules, des araignées ou tirer sur les feux de camp pour les faire péter tout seul. Ça, ça te permet de courir en mode furtif. C'est comme les os de la Lorienne, mais c'est pas très pratique. Ça claque de la concentration alors que tu préfères courir de manière discrète sans te faire repérer. C'est plus intelligent. Du coup, là, tel que je suis, je pense qu'on est bon. Consumation au sol, drainer les ennemis au terre. On va charger la fureur plutôt, c'est mieux. Barre infinie. Représailles drainent votre attaquant. Une dernière chance parfaite, charge entièrement votre puissance. C'est intéressant. Revirement puissant, rend des tirs d'elfes. Chaque. Ok, bon. Voilà. Là, ça devrait bien se passer. La petite téléportation, tout est flou pour l'instant. Le jeu est en train de charger les textures. J'aime comme le jeu gère le manque de puissance et le chargement des textures en floutant tout ce qui existe jusqu'à ce que la définition revienne. C'est un peu comme Resident Evil 7 avec les comment ça s'appelle ? Vous savez, les lags de chargement. Ça y est, la définition est revenue. Super. Il a chargé les textures. On avance, on progresse. Hop. Tac tac. Hop là. Chou. Olé. Oh, j'ai raté. Hop là. Et boum. Allons-y. Attirer le sournois en tuant furtivement les défenseurs orques, puis dominez-le. Très bien. Voyons voir. La plupart des orques sont stupides, mais le sournois était différent. Lorsque nous nous sommes soulevés contre Sauron, il s'est avéré très utile en tant que chef de guerre. Éliminer furtivement les défenseurs. Attirer le chef de guerre... avant la fin de la limite impartie du temps. Très bien. Dans ce cas, il faut attirer vite. Et je sais pas pourquoi, mais le jeu est complètement flou. Hein. Il a rien chargé du tout niveau texture. C'est une catastrophe. Faudrait que je fasse des réglages parce que là, c'est la sucette quand même. Ça touche! Ça touche! Bonjour! Il a pas dit de pas déclencher l'alarme. Il a dit d'être furtif. Pas de témoin. Être furtif, somme toute, c'est complètement différent que de ne pas déclencher l'alarme. Dans ce jeu, du moins. Tac ! Voilà ! Oh, un indésirable vient nous voir, et c'est un débrouillard. Allez, viens, mystérieux visiteur. Sors un peu des ténèbres, si tu l'oses. Mog, peur de l'immobilisation. Très bien. Effectuer une domination de l'ombre sur Mog le sournois. Général, problématique. Oulala, il m'a mis au sol direct. Lui, c'est le vrai problème en fait. Très bien. Le Mordor est déroutant. On ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui n'est là que pour te berner. J'avoue que c'est problématique. Pas vrai. Ah la boum. Ok, la situation est complexe et nécessite une petite retraite temporaire. Un, déjà le temps qu'on regagne un peu de vie. Deux, le temps que tout ce beau monde se calme déjà bien.
à moi. Super, full life. Ah putain, ça le domine pas. C'est vrai que ça le draine juste. Allez. Le toucher de l'amour. Voilà, et sa tête a explosé. Mon Kourou est chargé cependant. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sympa. Boum. Allons-y. Oula 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 oula. Enchaîne. Aïe, le coup de tête. Coup de tête qui me met au zéro de vitale. Mais voyez, la rage du Kourou, je trouve ça passe à top, hein, très sincèrement. Ou alors je m'en sers peut-être très mal. C'est possible aussi. Ah putain. Ok, suffit. Retraite, non, retraite génie. Avant qu'il ne me one-shot. Retraite, retraite, retraite. Retraite. Retraite, parce qu'au pont où on en est, chers amis, on n'arrivera pas à retrouver l'ascendant sur la situation. Ça, par contre, c'est cool. Voilà, très bien, ça. Ils nous perdent. Super, ils nous ont perdu. Non, 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 ah! Putain. Et merde. Bon. Je me fais démonter par les gars au sol. L'alarme est donnée. La guerre est totale. Il y en a plein, il y en a 50. Ils ont toutes des grosses haches et ont l'air très vénères. J'ai déjà perdu 90% de ma barre de vie. Écoute. On va alternativiser. Changement de stratégie. Voilà, avec ça, on va les occuper un moment. Hop. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, c'est pas évident. Ils sont nombreux, les enfoirés. Alors, voyons voir. Là, il y a beaucoup d'orques ainsi qu'un grog. Là-bas, il y a ces enfoirés. Et lui. Très bien. Ok, comment on peut faire pour exécuter ces mecs de manière intelligente et organisée? Fouba. Terreur des mouches de Morgaï, baisse de morale. Très bien, et dégâts par exécution lui aussi. Bork. Chétif, le poison lui inflige d'importants dégâts. Devient hébété quand sa rage s'épuise. Donc lui, c'est juste une question de trouver un pot de grog, de le faire péter au bon endroit, quelque part. Quelque part, quelque part. Sauf que c'est plus compliqué que prévu. Je ne sais pas qui est le vrai dans le tas. Écoute, je pense que ces gens-là sont des faux. On va essayer d'en poignarder un. Merde. Apparemment, il n'est pas affecté. Ah, le poison. Le poison. Il n'est pas affecté par l'assassinat et ses clones non plus. Ce qu'on peut tenter de faire. C'est de survivre. En attendant qu'ils viennent. Alors on se met dans un angle où ils sont obligés de venir. Très bien, ils sont en train de venir, ils sont en train de venir. Je suis en train de les attirer dans mon piège. Le piège du fameux pot de grog. C'est comme le petit pot de beurre. Sauf c'est un pot de grog. Et j'ai plus de flèches. Ah ah ah, la bonne blague. Je n'ai plus de flèches. Quelle situation désastreuse. Oula 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 oula. Apparemment j'ai des flèches. Le pot a pété mais pas au bon endroit.
C'est l'attaque des clones, j'avoue. Allez. Ouch. Hop. Boum. Très bien, très bien, très bien. Boum. Très bien, voilà qu'il le bloque pendant un certain temps. Anti-son, c'est problématique. Olé ! Oh ! Petit mouvement stylé. Malheureusement, je n'ai plus de flèches. Et mon courroux n'est pas encore chargé. Il faut les recharger. Impeccable. Quel bordel, quand même, hein. Quel bordel, quel bordel. Steak ! Je tiens! Tu ne me serviras pas parce que j'ai besoin de précision afin de dominer de la manière correcte et si tu tues ma cible, ça risque d'être problématique. Disparais! Espèce d'incapable! Ok, c'est le bon. Je vais te frapper tellement fort qu'on trouvera des bouts de dents dans ta schrack! C'est maintenant que tu m'insultes? Oh là, raté. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il part? Je sais pas ce que je suis en train de faire. Apparemment, je suis en train d'assassiner tout le monde. Apparemment, les orques m'ont retrouvé. Il est anti-saut, bien sûr. C'eût été trop drôle. Allez. Moi ça va me donner l'occasion de respirer pendant quelques secondes. C'est le jeu du chat et de la souris. L'objectif est d'être capable de respirer. Pour ça, il faut que je me donne les opportunités nécessaires qui puissent me permettre justement d'atteindre cet état de respiration et de détente. Allez, 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 je veux le connard qui est en dessous, là. Pourquoi je peux pas l'avoir, lui? Putain, mais c'est le boss. Cassage de couilles. Bon, écoute. Tac. Deuxième saut. Soumets-toi et disparais. Excellent. Ouch. Hop. J'ai plus de pouvoir de spectre. C'est bon. Excellent. Maintenant la vraie question. Lequel des deux est le vrai? Lequel de ces deux enfoirés? Non. Voilà. Lequel de ces deux enfoirés est le vrai maintenant? Ça c'est la vraie question. Ça, c'est la vraie question. Barrez-vous. Ça a l'air d'être lui. Si je devais parier, je dirais que c'est lui. Ça veut dire qu'afin d'être sûr de ce que je fais... Anti-saut, très bien. Oh yeah! Il faut que je me débarrasse de son compère. Excellent, maintenant qu'on y voit un peu mieux et un peu plus. Tac. Domination de l'ombre à distance. Tu finiras par obéir. Je te tiens. Unir nos efforts est une sage décision. Eh ben putain!
C'était un épisode qui est très flou pour l'instant, hein. C'est fou, là 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 là, quel bordel. Quel bordel. J'aurais pu mourir aussi. Quelqu'un qui dit essai transformé, c'est vrai que j'ai vu l'orque passer entre les deux. Le sournois utilisait son intelligence pour son propre compte. Parfois à mes dépens, mais souvent à mon avantage. Au final, il était aussi facile à manipuler que tous les autres orques. Alors très sincèrement, je ne sais pas pourquoi le jeu est aussi flou depuis le début. Je ne sais pas pourquoi, mais le jeu n'en peut plus. Des effets graphiques absolument incroyables. Du coup, on va voir ce que je peux faire dans les paramètres. Alors tout est ultra, large, pas pavage, c'est quoi ça, pavage? Non, profondeur de champ, non, ça c'est sans pour l'enlever, mais bon. Précharger, mipmap élevé. Oui. Bon, toutes les textures sont en ultra, c'est craqué. Good enough. Non, parce que Talion est devenu un peu myope quand même. Voilà. Et à tous ceux qui préparent dans les commentaires, Bob, t'as une config complètement obsolète. Il faut savoir que normalement j'en ai deux comme ça en SLI. Mais que j'ai débranché le SLI pour cause d'instabilité. Et oui, ça tourne sur une carte et ça tourne très très bien, je trouve. Faut quand même pas déconner. Alors ? Non, on est toujours dégueulasse ? On est toujours dégueulasse ? On est toujours dégueulasse. Bon, bah écoutez, petite ellipse, chers amis, le temps qu'on règle le problème. Et à tout de suite. Chers amis, c'était la résolution dynamique qui essayait à tout prix de garder le jeu en 30 FPS pour une raison qui est obscure, alors qu'il tourne parfaitement en 30, voire en 45, voire en 60 FPS avec la config. Et qui, du coup, baissait la résolution du jeu pour une raison qui m'est... somme toute très obscure. Mais enfin... Du coup voilà, maintenant que c'est réglé, c'est pas très grave et c'est sans importance et on peut continuer à vivre nos aventures absolument formidables en allant enfin à Minas Morgul pour déclencher la suite de l'histoire. Allons-y. Oh. Le roi sorcier protège sa citadelle avec un voile d'ombre. Je me demande ce qui se passe quand on coupe la tête. Où s'en vont toutes tes pensées? Eh ben écoute... Est-ce que tu veux qu'on le découvre ensemble? Envoie-moi une carte postale. Bien! Nous voici donc revenus... à Minas Morgul, la tour des ténèbres. Où des nouvelles épreuves se sont débloquées. Cool, Aglar, ça s'est débloqué. Des avant-postes, l'arène, des maps, des gens de la tribu du hors-la-loi, des soldats. Mais oui, mais comme la ville est toute petite en plus, ils vont être partout. Ils vont être partout, partout, partout. Ça va être la guerre. La cité est perdue, le roi sorcier détient le palantir. Étudiez la situation, j'avoue. On va commencer par lui. Puis on va aller étudier la situation, comme ils disent. Restons en habit de maître de lumière, ne serait-ce que pour la beauté de la forme. Go! C'est la folie! Qu'est-ce que... C'est marqué sur ta sale figure. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas détruit l'esprit de Bruse, j'ai pas tué Baz et puis Gaz. Oh, mais si... Et c'est pour ça que je suis là. Je suis Daz. Et maintenant, c'est terminé pour toi. Ok, c'est le quatrième frère. Très bien, pas de soucis. Il est là, il est beau. Malheureusement, il est level 50. Et il ne peut jamais être brisé, même si sa santé est réduite. Oh là 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 là. Problématique. Couteau. Esquive. Ah, tout va bien. Olé. Arg. Je me suis fait avoir deux fois par la même astuce.
trois fois par la même astuce. J'ai pas eu le réflexe. Clairement, il y a un problème. Aïe. Ça tient pas la route. Allez. Aïe, putain, il me touche. Barrez-vous. Hop, hop, hop. La roulade. L'esquive. La domination. La double domination. Impeccable. Olé. Et merde. Tout va bien. Oh là là, il me parle mal. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Touche Jésus. Olé. Olé. Humain. Quoi? J'ai semé la mort et la désolation aux quatre coins du royaume pour te retrouver. Maintenant, je vais te tuer et semer la mort et la désolation aux quatre coins du royaume pour rentrer. Mais oui, mais qui es-tu? Putain, mais tout le monde est anti-saut dans ce pays. Alors attendez. Attendez. Il est l'heure, braves gens, alors qu'on se fait bolosser de tous côtés, sans aucune vergogne, ni forme de pitié. Hein, et c'est inacceptable. Il est temps de passer en stuff sérieux. Après avoir tué un capitaine, passif privé inaperçu. Je suis sur un capitaine, faut faire le serveur. Voilà, dégâts de coup critique, accu de 30%. Où est le marteau qui charge à chaque fois que je tape? J'avais une arme comme ça qui était intéressante. Puissance rechargée de 5 lors d'un coup critique, très bien. Excusez-moi. Où est mon armure de glace de la muerte la plus absolue? Coup critique empoisonne, immunisé contre le poison. Le poison empoisonne sa cible, empoisonne, tir d'elfe, tir de chance. Ah voilà, chance qu'un coup critique gèle les ennemis. On va voir s'il y en a d'autres. Qui augmente. Ah, plus 4. Non, 18%, d'accord, c'est mieux. C'est la même mais en plus stylée. Hey, pourquoi pas. C'est la même en plus stylée avec un peu moins de vie et plus de chances de réussir un coup critique sous l'effet du poison. Hey, c'est quoi, elle est plus stylée donc je la prends. Quoique celle-là est très stylée aussi. Elle fait quoi, 25, gère la cible, elle est très bien. Enflamme ses ennemis, maudisse la cible, empoisonne la cible, santé régénérée de 194 par bifle de capitaine. Moi je regarde juste les coups critiques qui gèlent la cible et je vois s'il y a une armure qui est stylée dans le tas. Comme celle-ci, mais elle me donne plus de vie, celle-là. Ouais, elle donne plus de vie, hein. Plus 1% en plus, hein. C'est honnête. Y a pas mieux? Y a pas mieux. Écoute, celle-ci est cool. Moi, j'aime bien. Ensuite, une cape. Une cape, si possible, qui augmente la durée du gel des adversaires. Elle est toute noire, cette cape, hein. C'est démoniaque. Durée du gel infligée aux ennemis. Très bien. C'est la même, mais celle-ci est mieux. Du feu infligé aux ennemis. C'est juste pour le swag. J'en ai pas d'autre. Très bien. Donc elle fera le taf. Bleu et vert comme ça, c'est assez moche, mais... Ouais, c'est vrai que c'est très très moche. Est-ce que je peux pas prendre l'autre? Un petit rouge sang bizarre chelou. Dans ce cas, est-ce que je peux pas avoir l'armure un peu plus sombre qui était genre de cette couleur? Gel, non. Non. Même si c'est un peu l'armure de Superman, je dois l'admettre. Ah. Voilà, au moins avec ça, on a une cohérence. Et enfin, 14% de chance qu'une attaque gèle sa cible quand le courroux est plein. Voilà. Donc maintenant, braves gens, maintenant, et puis accessoirement, voilà. Maintenant, braves gens, ça va pas se passer pareil. Du coup, je suis le seigneur du gel, le seigneur du givre. Ça va chier. Je veux du givre. Tout est absolument givré. Et aussi, je veux du meilleur bateau. Mais ça, c'est juste pour la forme. Très bien. Excellent. Ah oui, et pour le dernier, on reprend les eaux de la Laurienne parce que c'est vraiment le plus pratique. Très bien. Délicieuse couleur. Boulé. C'est pas grave. Pas sale. Tac. T'es sûr que t'es à l'épreuve du gel, mon gars?
Donc lui, clairement, il n'était pas à l'épreuve du gel, au moins pas assez. On passe à travers, petit coup par arrière. Oula, 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 insensible aux exécutions. Au, au, au. Couteau. Très bien, je te laisse le choix. Soit tu rejoins mon armée, soit tu rejoins les ténèbres. Très bien. De toute façon, il fallait bien que j'ai un pied à terre dans ce pays à la con, il faut que je commence par quelqu'un. Donc obéis. Joins-toi à moi. Mon esprit n'est pas si faible que ça. Ah, parfait. Qu'il en soit ainsi alors. Tu voulais rentrer au pays? Tu voulais rentrer au pays? Eh bien, bon voyage! Eh ben alors? Arc! Putain, il se défend, c'est fou, je me fais démonter! Disais-je? Bon voyage! Oui! Phew! Eh ben putain, quel pays, chers amis, quel pays? Et c'est moi où cette cape est complètement buggée. C'est censé être une cape bleue, et j'ai l'impression que la texture n'a pas voulu charger correctement. C'est assez bizarre, je dois le dire. Du coup, attendez. C'est assez étrange. Il se passe des choses assez mystiques, hein, il faut le dire, hein, dans ce pays. Non. Ou alors c'est une question de colorimétrie, mais ouais, c'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Bon, c'est pas très grave. Le jeu n'en a plus rien à foutre. Ouais, je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a plus aucun respect. Ah, ça y est, si, non. On a l'impression qu'elle est constamment recouverte de... Allez. Alors. Ah oui, quand je fais ça, ça recharge mon courroux, c'est vrai. Excusez-moi. J'avais oublié. Donc reprenons, revenons sur la base de quand tu les contrôles, ça les contrôle. Voilà, sinon on n'y arrive plus, voyez-vous. Très bien. Donc, maintenant qu'on a pu gérer avec toutes ces embuscades, à peine arrivé à Minas Morgul quand même. Terreur de Minas Morgul, j'ai gagné des sous et apparemment les gens me disent Bob, utilise l'argent pour les coffres en or, enfin les coffres en mithril, pourquoi pas. Touka les lames véloces. Frénésie bestiale, c'est un tueur, chevaucheur de caractère. Quoi qu'il soit, on va attendre patiemment pour faire une petite embuscade. Embuscade! Oh! Raté! Hourré! Parade, parade! Ah! Ah putain! Barrez-vous! Barrez-vous les... Barrez-vous, je vous dis! Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Je peux comprendre. Les gens s'empressent de me servir. Bats-toi pour la lumière. Je suis élu pour vous. Allez, tire-toi. Entendu. Merde. Boum. Non, boum, j'ai dit. La boucle. Allez! Non, arrière! Ah,
Enfin! Ah! Voilà! Phew! Ça, c'est juste parce que les poupées, ils m'ont cassé les couilles. Ok. Donc, on peut progresser. On peut pas faire 3 mètres sans affronter un titan. Ou un général. C'est quand même assez bourrin. Ouh, là-bas. Un mec, mais avec une grosse gemme ou beaucoup d'argent. Donc, allons-y en fonçant. Oh meurs! Ouais. 1000 dollars, c'est toujours bon à prendre. Ok, très bien. Donc du coup, parmi tout ceci, il y a à 200 mètres à peine sur notre gauche... Pas de témoin. Pas de témoin. Pas de témoin, disais-je. Donc disais-je. Il y a à peine sur 200 mètres sur la droite. La suite de nos missions. Yop. Impeccable, sans se faire repérer. C'est quand même plus confort, il faut le dire. Il y a quand même beaucoup d'informations là. Est-ce qu'on devrait se servir? J'aurais dit on tombera sur eux tôt ou tard, donc j'ignore si c'est vraiment utile, mais... Et merde. C'est bon. Très bien. Tu ne pourras pas tous nous tuer. Ah merde. Attendez, attendez. Non, attendez. Attendez, s'il vous plaît. J'essaie d'obtenir des renseignements. Voilà. Des renseignements, probablement, si possible, des gens qui sont pas concernés par des quêtes. Pas forcément des renseignements à propos des Nazgûl et tout le reste, parce que j'imagine, là, ça passera pas. Voilà, très bien. Ok, et il en restait un dernier. Il a fui où? Il a fui là-bas, il est trop loin, ok. Un capitaine de la tribu du massacre cherche un adversaire de valeur. Allons-y. Level 52, voilà qui risque d'être problématique. Commençons par son poupée. Très bien. Le poupée est mort, gloire au poupée. Ouh, yeah. Oh là, oula. Tac. Il en reste combien là? Il en reste deux. Il en reste un. J'espère que t'aimes le froid. Il va falloir rester cool, mon grand. Allez, garde ton sang-froid. Hop là. Tout ceci me laisse de glace. Et voilà, je vais te renvoyer au frigo à une vitesse folle. Bam. Et un bébé dans le congélateur. Gros bébé, insensible aux exécutions. Problématique. Mais pas pour le marteau. Oh, le marteau du gel. C'est encore la méthode la plus safe que j'ai trouvée pour me débarrasser d'un level 52. À la poubelle. Victoire. Bien. Et il m'a donné une armure. Voyons voir ce qu'elle vaut. D'accord, donc très bien, elle est buggée. Tous les dégâts subis sont réduits de 50% quand votre puissance est pleine. Oh! Tir d'elfe rechargé de 14 par élimination de capitaine. Tous les dégâts sont réduits de 50% quand votre puissance est pleine. C'est très impressionnant. En plus, c'est une grosse armure. Écoute. On va... Putain, elle est complètement buggée l'armure. Hein. Je sais pas. Enfin, j'ai complètement buggé cette cape. La plupart des caps sont buggées. Je sais pas pourquoi.
pourrait mettre celle-là. Ça m'a l'air complètement OP, donc on va essayer de la développer. Attends, il y a un rat là qui traîne. Il n'y a pas un rat qui traînait ? J'ai raté le rat, très bien. Du coup, on va progresser vers les quêtes en continuant d'éliminer tous les orques qui se promènent. Bonjour ! Oh ! Oh ! Deck ! Faites pas attention, je charge ma barre ! Je charge ma barre ! Deck ! Deck ! Deck ! Deck ! Et voilà ! Parfait ! Chargeage de barre ! J'avoue, c'est violent. Du coup, il faut que je contre. Il faut que je fasse des parades alors que ma barre de puissance est pleine. Donc pour ceci, j'aurais besoin de la coopération de ces gens. Bonjour. Votre coopération, s'il vous plaît, messieurs. Enchanté, un plaisir. Voulez-vous m'aider à accomplir une petite expérience? Oh! Eh ben. Merci. Boum. Et de 2. Et de 3. Non, ça marche pas avec les boucliers. Encore quelques. Voilà, très bien. Et de 4. Ah non, c'est bon, ça compte. Il y en avait un que j'ai fait dans le tas que j'ai oublié de compter. Ok, très bien. Voyons voir. Oui, ben, somme toute, une armure très classique. Très très classique. J'aimerais retrouver l'armure qui, par contre, qui gèle. Oh, putain, elle est tellement classe cette armure là. Oh là là là, le prestige. Quel dommage qu'elle fasse le poison et pas le. Oh là là, regardez-moi ce combo. Quel dommage qu'elle fasse le poison et pas la glace. 20% de chance qu'un coup critique gèle la cible. Ah, écoute, ça c'est un bon combo ça. Ça se porte. Impeccable. Excellent. Voilà pour le Caragor. C'était pas le bon Caragor. Il y a des explosions partout sur le terrain. C'est la panique. Je ne sais pas ce qui nous attaque, qui crache du feu, mais en tout cas c'est la guerre. Allons-y. Allez. Ah putain, il a eu le Caragor. C'est pas grave. Il a une épée de feu. Là où moi je me bats à la glace, c'est sous le Calibur. Arrivederci. Boum. Il est insensible à la glace. Mais il est beau être insensible. Oh. C'est insuffisant. Alors ça par contre c'est très très classe de lui geler le corps et de lui arracher la tête à son corps gelé. Oh là 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 là, en la plantant comme un chiche kebab et en la mettant dans les fourrés. Oh là là, cet homme, je ne sais pas ce qu'il fait avec son épée, mais en tout cas, le plaisir est présent chez Talion. Est-ce qu'on peut avoir un bon angle? Avec les petits flocons blancs comme ça, c'est idéal. J'avoue. Oh. On s'éloigne avant que tout explose. Parfait. Très bien. Et ben, en tout cas, c'est très agréable, chers amis, parce que là, depuis qu'on est arrivé, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a affronté quoi, 3, 4 généraux. Et il y en a encore 150 qui se baladent, hein. Oh là là. Et surtout, ils se baladent dans toute cette zone, ce qui est facile à repérer, facile à gérer.
Ah, ça va être un véritable régal en tout cas ici de reconquérir le lieu en exterminant tout ce qui existe, tout ce qui bouge et tout ce qui respire. Enfin bon. Du coup, c'est quoi ça? Un capitaine ennemi pourchasse un autre capitaine, on s'en fout. La cité est perdue et le roi sorcier détient le palantir. Étudions la situation. Voyons voir. Oh là 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 là. La magie noire imprègne la cité jusqu'à la moelle. Il ne s'agit plus de Minas Ithil. Désormais, c'est Minas Morgul. J'ai suivi l'un des Nazgûl jusqu'ici, depuis la caverne d'Arachné. Marissou ! Il pense ses plaies. Nous l'avons seulement chassé. Restez sur vos gardes. Votre capacité à traquer les Nazgûl, c'est un autre don de Galadriel ? Un don ? C'est une façon de voir les choses. Nous sommes là pour le palantir, c'est tout ce qui compte. Alors nous allons devoir nous battre pour l'atteindre. La ville grouille d'orques. Ce ne sont pas forcément des obstacles. Ils peuvent nous être d'une aide précieuse. L'assassine pas, l'assassine pas. Hop là ! Bien. Moi, je continue de les tuer. Où allez-vous ? Il vaut mieux rester ensemble. Je sais, mais j'y travaille. J'ai bien entendu. Allez ! Petite conversion forcée. Hop. Hop. Qu'est-ce que c'était ? Allez, viens. Viens, 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 viens. Nous devrions rester ensemble, Rodeur. Chut, regarde ça. Wouah ! Impeccable. Bon, sinon, c'est parce que t'es une elfe que les orques te voient pas ? Ou parce que c'est moi, je m'approche comme ça, à mon avis. Bon. C'est pas gênant. Je l'ai abattu, et j'en ai fait des flèches. Puis je m'en suis servi pour tirer sur d'autres arbres. Un arbre t'a insulté ? Oh ! Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il t'a traité de gland ? Pas de bruit, sage. Ne vous éloignez pas. Mieux vaut éviter d'être séparés. Oh ! Oui, Choupette, mieux vaut éviter d'être séparés, je suis parfaitement d'accord ! Je sais pas si tu remarques, mais je suis en train de... Nous aurons plus de chance en restant... Les neuf feront tout pour récupérer cet anneau. L'anneau ne leur apportera pas le pouvoir, mais la destruction. Je me demande... Si je m'équipe de domination sur les Zologues et que je fais une domination furtive sur l'Oloc, je me demande si ça fonctionne. Parce que là, j'ai le combo domination. Et on a déjà vu qu'on pouvait l'abuser. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rodeur, restez avec moi. Je connais le chemin. Bah alors ? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, malheureusement. Tant pis. Tant pis, tant pis. Attends, mais il y a plus d'orques là. Attends, mais il y a plus d'orques, eh. Non, Eltariel, t'es gentil, mais j'ai des quêtes secondaires. Je t'aime, Choupette, mais tu patienteras. Hop là. Voilà, très bien, là, il y a plein d'or. C'est bon, ils ont repopé. Ils ont repopé. Hop. Hop. Hop là. Oh là 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 là. Tac. Et en fait, quand tu passes un certain point, tous les orques disparaissent et réapparaissent. Ça n'a aucun sens. Nous ignorons combien de Nazgûl rôdent ici. Nous aurons plus de chance en restant ensemble. Ouais, ouais.
Je t'entends. Ok, très bien. Non, tirez-vous. Non, il faut partir maintenant. Avec moi. Je connais le chemin. Oui. Non, mais... Les gars, il faut partir. Voilà, il faut partir pour un monde meilleur. Merci. Donc, allons-y. L'endroit est suspicieusement vide. D'après toi, comment les choses obtiennent leur nom? Tu sais, comme chaise, table ou hache. J'espère que vous travaillez plus vite que vous marchez. Eltariel? Eltariel Choupette? Choupette, tu... Bon, écoute, on va faire le taf à sa place. Voilà. Ok, continue, je te suis. Je te suis, arrête d'être buggé, putain, mais les PNJ dans ce jeu. Ça m'a l'air d'être une décoration extrêmement spécifique, si je puis me permettre. Et bien sûr, personne ne la remarque. Voilà. Allons-y. Les Nazgûl ne peuvent pas être détruits. Ils reviennent toujours. Mais vous n'abandonnez pas. Non. Jamais. Bah écoute, bute-le lui. Apparemment, personne n'en a rien à foutre. Tout le combat prend fin. Eltariel? Ah, apparemment, elle en a nous une à foutre. Nous devrions rester ensemble, Rodeur. Oups. Très bien. Des vraies missions d'infiltration, hein. Par contre, je tiens à dire que, oh là là, cette lumière basse verte, ce décor. Lui défoncer les crabouilles, lui crâner, l'écraser. Je me comprends. Tu te comprends. C'est bien essentiel. Ah, putain. Ah, ça ne marche pas. Ok, très bien. Et là, ça marche. Ok, ça marche quand tu claques la barre, mais ça marche pas quand tu le prends par surprise. Bon, écoute, tant pis pour la discrétion, allons-y. Moi je pensais que c'était une mission d'infiltration. Il s'avère que j'avais tort, je te suis. Eltariel, tu vas où? Je te suis, Choupette. Non, parce que moi je voulais jouer le jeu, tu vois, je voulais être propre, mais après si t'en as rien à foutre, toi non plus. Je sais même pas pourquoi je m'acharne. Détruire les Nazgûl à jamais. Il doit y avoir un moyen. Si c'est le cas, je ne l'ai pas trouvé. Restez avec moi, Rodeur. Et je vous montrerai ce qu'est un Nazgûl. Est-ce que tu vas nous faire voir sous la capuche? Non, non, mon précieux. Il ne faut pas. Le roi sorcier a pris possession de cette ville. Maintenant, il va prendre possession de vous. Tu ne vaincras pas le serviteur du roi sorcier. Tout le monde finit par lui obéir. Très bien. Bon. Et bien, apparemment, je suis maudit. Il y a la lumière de Galadriel, de je sais pas quoi, qui est censée me protéger, mais qui protège. Que quick! Saigne, bah très bien. D'accord, donc je suis tout seul. Ok, très bien, parfait. Bon, au moins ça a le mérite d'être plus clair. Et j'ai le mérite de comprendre ce que
Je suis en train de gérer. Ah, bien joué. Ah, stack. Stack. Oh là là, ça c'est beau. Ah, non, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ah. Stack. Blep. Son pouvoir des ténèbres n'est rien contre la lumière de Galadriel. Sérieux, elle est si balèze que ça, Galadriel? Oh. Allez, allez. Ouh là là. Non. Tire-toi. Ah. Tes malédictions sont insignifiantes face à ma maîtrise. Excellent. La lumière de Galadriel est plus forte que sa sombre magie. Tac. Ah putain. Ah putain. Écoute, il n'y a qu'une méthode, quoi, que je pourrais givrer en fait. Je vais mettre du feu, mais... Raciste, Celebrimbor. Steve. Deck, deck. Allez. Vois le lunisme. Tu vas vaincre les neuf. Tu les rejoindras. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? À genoux devant votre roi. Putain. Vous avez eu une vision ?
Ouais, et c'était drôlement chiant. Ouais. Alors vous savez, c'était de grands hommes, mais les anneaux de pouvoir ont eu raison d'eux. Sauron les a façonnés pour dominer leurs porteurs. Et le nôtre ? Mais je l'ai compris trop tard. Depuis, j'ai eu le temps de créer un anneau parfait. Celui-ci est pur. Il est pur, j'en doute. Bon. Écoute, moins un Nazgûl qui a été géré, il reviendra, mais pour l'instant il a été banni. Voilà, sans aucune forme de pitié, banni de Fantabob Games. Tant que cette ombre planera sur la cité, nous n'aurons aucune chance de la reprendre. Mais il y a d'autres lieux à conquérir au Mordor. Il suffit de former une armée. Ouais, mais je veux bien, mais on a conquis plein d'endroits déjà, donc est-ce qu'on a des quêtes qui s'activent? Est-ce qu'il va falloir qu'on fasse le ménage? Est-ce qu'il va falloir qu'on reporte ça très probablement à l'épisode suivant, chers ennemis? Ou juste avant, par contre, un petit duel entre Zasra, le voyant, et un autre capitaine ennemi. Après tout, si on doit commencer à recruter des connards... Hop là. Autant le faire tout de suite. Très bien. Hop. Ha ha! Chou! Et la mougrise. Tac 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 tac! Meurs! Je charge ma barre! Chargez ma barre! Ils chargent pas ma barre, les enfoirés. Oh la vache. Bam. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de spécifique dans cette arène? Non, il y a l'air d'avoir personne. Si, il y a un mec, il est à nous, mais il est enragé. Et il est très vénère, donc on va le laisser faire, j'ai confiance. Allons-y. Duelu. Allons-y. Tu crois vraiment pouvoir me battre? Impossible! Un vrai orc ne se vante pas! Un vrai orc passe tout de suite au massacre! Il me plaît! Ils me plaisent, tous les deux! Qu'ils se battent, et nous interromprons le match juste avant qu'il ait le temps de ne se faire trop mal. Oh là là, oh là là, ce body slam! Incroyable. Petite esquive latérale, petite bombe à prout, explosion. Il s'approche, il s'approche. Et il a juste le bouclier levé. Bon, bah il attend. Écoute, c'est bien beau. Messieurs, bonjour! Tu me le paieras! Je t'aurai la prochaine fois, Vermine! Mais... Il a obtenu le titre de fuyard. Rien du tout. Ouh, Edin. Je te domine. C'est la lumière. J'obéirai à tes ordres. Chacal fuyard, très bien. Aux armes pour le seigneur de lumière. Et le deuxième, qui est juste là, meurt, chacal. Toi et moi devions nous retrouver maintenant et en ce lieu. Je me suis préparé en vue de cet instant depuis le jour où on me l'a prédit. Maintenant que l'heure a sonné, je me réjouis d'avance de te voir périr. Tu ne parviendras pas à échapper à ton destin. Très bien. Pas de problème. Ah. Allez. Oh là là. Oh là là, c'est buggé. Tac.
Allez! Et on peut en terminer! Tu parles de destin, mais il existe quelque chose de bien plus puissant! Mon commandement! Oh l'enfoiré! Tu respectes! Très bien, alors si tu refuses d'échapper à ton destin... Laisse-moi t'aider à l'accomplir! Foulière! Oh là là! Oh là là, cette pénétration, chers amis, cette pénétration pleine d'amour de la part de Talion. Regardez-moi cette protubérance, c'est beau. Et voilà. Bon, et apparemment j'ai des sapeurs qui vont se faire péter. Oui, bah écoute, c'est un plan. Et bah écoutez, c'est parfait, chers amis. Et ça nous permet d'en terminer en tout cas avec cet épisode, avec la première, disons, sauce de Minas Morgul, qui est quand même grave la guerre, hein, il faut le dire. Je sais pas vous les enfants, mais ça bourre. Hein. Ça bourre l'amour. Très bien. Et ici, l'armée des morts, fais voir. Dans un ultime effort, les acolytes de Zog tentent de ranimer ce dernier et de créer une armée de morts vivants avec les victimes du siège de Minas Ithil. Arrêtez-les une fois pour toutes. Oh merde! Eh bien écoutez, on sait ce qu'on fera lors du prochain épisode, mais je croyais que je l'avais coupé en deux. Genre irrécupérable, tu vois. Décapité, coupé en deux, taillé en petits menus morceaux. Donc bonne chance pour voir ce qu'ils peuvent ramener de ce qu'il en reste. Dans tous les cas, c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, zou!